Dans mes stades aujourd'hui, un match qui était opposé Valence face à Real Madrid, là, il tournait au cauchemar. Vinicius sanctionné. Neymar proposé tête à Manchester City. Mbappé aujourd'hui, il fait un doublé pour Paris Saint-Germain. Nous allons partager tout de suite ça ensemble avec vous, avec un pilote n'a pas été pour. N'a pas dû fontirer tête nous n'a tourné tout à l'heure après pause là. A pas m'tende wap plein pou kay ou besoin acheter miam ou pas capable. Yeah. Et bon, pas les journal. Met cause assez Sun Coast Realty. Service Real Estate, li sous 1623 Nord 164 Street, North Miami Beach, Floride 33162. Téléphone lycée 305-332-5295. Relez sur WhatsApp ou bien texte seulement. Go cause, li gen fax à email tout. Yes, fax là c'est 1-954-628-8636. Même écrit email là pour vous. On dernier bagay, c'est seulement ami seulement m'ka acheter. Non, non, ma chère, c'est pour toute Floride la liye. Oh merci en pile me sauver qui t'est malé. Sogon pressé comme ça. M'boko fin parler de Sun Coast non. Li gen yon Saint-Domingue tout oui, qui relis Sun Coast Multi Service. En plus ka ou ka acheter, li gen agence de voyage kap menon quel que soit pays ou vle sou la terre. Sorti m'la. Oh oh, pa te konnen. Li gen service mon cash ak prestamos, koto ka prite kòb pou grandi business ou ak konti kras intérêt. Adresse li c'est 40 Calle Presidente Vasquez, Santo Domingo Este. Oh. Bon pontualité. Yes, téléphone c'est 829 593 47 34 apporté qu'on est li. Action Cos Multi Service, comme on nommé, business ou ap grandi, clé ka ou nommé, ou ap voyager. Pas oublié, nous on voyage là. Pas oublié. Nous tournons après pause là et n'a remercié chaque grain monde qui a regardé nous, qui a attendu nous là. Merci de ce que ou qui t'es nous informé. Ou même qui tombe sur vidéo ça pour la première fois, nous vous remercions. Et nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification hein, pour ne pas jamais rater une vidéo. Et nous vous disons, tant pis, pas suspendre like, pas suspendre partager vidéo vidéo. Et à chaque fois que vous quittez un commentaire, nous fait un plaisir pour nous capable répondre aux commentaires. Et ou même qui regardez nous là, nous souhaitons chaque grain dans nous une bonne semaine. Je nous te dis en titre, nous avons un pile d'informations nous allons partager à vous aujourd'hui, hein? Surtout sur le plan international, parce que dans 5 grands championnats européens, il y a un pile de bagailles qui passent, un pile de goals, un pile de belles matchs, et nous allons porter tous les résultats pour vous. Mais avant de venir à ces résultats, nous avons tiré ces bolas pour nous parler de un match de préparation que l'équipe féminine nous a. Qui bral participer dans 24e jeu centre américain et caribéen yo k'ap fèt dans pays San Salvador. Nous t'ai joué un match jeudi qui était 18 mai et nous connaît que c'est Fiorda k'ap dirige équipe ça. Nous t'ai joué face à FC Toro en équipe U20 qui a évolué dans Pétionville et dans Parc Saint-Thérèse que match ça t'ai joué et nous bat 2-1 pour montrer que nous commençons avec préparatif yo et nous souhaitons que nous souhaitons chaque athlète qui va participer dans le jeu ça yo bonne chance et au moins nous ca venir avec 2 ou 3 trophées sortis dans le jeu ça. Merci Daniel Dumonet, jodi a li marqué un doublé avec Reims qui c'est équipe li t'a joué face à Dijon et match là fini 3-1. C'est 9e et 10e goal pour joueuse nous dans D1 féminin et nous connaît que pour saison 2023-2024 là c'est dans Lyon que le bral évolue. Nous souhaitons que Dumonet fait une bonne figure dans meilleure équipe féminine qui gagne dans le monde là et nous souhaitons bonne chance tout pour nomination dans trophée UNFPO côté li nominé pour 2 catégories. Nous souhaitons au moins même un trophée pour le ramener, ça fait nous plaisir en pile en pile. Franzi Pierrot qui a évolué en Israël dans l'équipe qui est le Maccabi Haïfa, li participé avec large victoire que Maccabi Haïfa fait dans week-end nan sous Apoel et c'était dernier match qui était gagné dans saison 1 pour Maccabi Haïfa qui champion en Israël et c'était un large victoire, c'est 5-1 que l'équipe ça bat. Et Nabdou que Franzi Pierrot qui participe dans la Ligue des Champions déjà. Nous songeons que il était dans pour le PSG et il était marqué au moins l'équipe là était marqué au moins un goal pour montrer que en Israël c'est pas au niveau mais quand même championnat ça li vraiment élevé parce que il participe dans la Ligue des Champions et Franzi Pierrot li sacré champion d'Israël, li marqué 9 goals et 5 passes décisives. Bravo à Franzi Pierrot. Nous allons konya à l'étranger. À l'étranger, jodi an c'était 37e journée en Angleterre, en 37e journée qui manquait avec ça officiel Manchester City dans championnat d'Angleterre là, c'est 3e affilée pour Mancunien. Mancunien était bénéficié de head honneur
côté que joueur Chelsea yo te bay avant match là et image qui était dans mémoire en pile monde qui était là qui était devant écran mais qui était dans stade là c'est Sterling qui était oublié qui était dans l'autre camp fois ça parce que saison dernière Sterling était champion avec Manchester City victoire ça c'est une belle victoire parce que yo même si on était perdu yo tape toujours champion mais yo bat Chelsea 1-0 et après coup de sifflet final là stade là était rempli tout de bleu. C'est comme si pas de l'autre couleur même dans stade là. C'est comme si joueur Chelsea tout ou bien supporter Chelsea yo était habillé en bleu tout parce que Chelsea quand gagne couleur ça pour montrer que stade là c'est bleu seulement l'tayé et Guardiola il fait en pile bagaille avec équipe ça qui relait Manchester City. Guardiola ou pas capable suspendre en parler de lui parce que lui manquait championnat ça avec un point. Manchester City à domicile pour saison ça, toute compétition confondue, c'est 30 matchs que vous jouez, 28 victoires, 1 nul, 1 défaite, 100 goals inscrits, 21 buts encaissés à domicile. Manchester City, c'est tout simplement imprenable, c'est tout simplement énorme, tellement Manchester City, les lacs, il est difficile en pile pour battre. Et saison ça là, bravo, avec chaque grain défenseur, chaque grain joueur, qui fait saison Guardiola en saison qui réussit. Guardiola te fait en pile rotation jeudi. Hein? C'est Julian Alvarez qui fait green goal équipe là. Mais tout joueur était là parce que il a fêté officiellement Saksa. Bravo à Manchester City. Dans la 37e journée, City nous connaît le champion. Il est toujours leader et il est toujours bon match en hauteur. Il a 88 points. Arsenal a 81 points. Newcastle a 69 points. Manchester United a 69 points. Et nous avons Liverpool qui a 66 points. C'est comme ça, ça y est, dans le championnat d'Angleterre. En Allemagne, c'était 33e journée. 33e journée, tout Dieu était braqué sous Dortmund, qui était en déplacement Kai Osbourg. Et Dortmund, il fait job là lui-même, c'est ton Lapton, dernière journée pour le battre, pour le capable champion. Il bat Osbourg 3-0 et nous gagnons Sébastien Haller qui fait un doublé. Et Julian Brandt, il fait l'autre green goal là pour Dortmund, pour montrer que Dortmund pas prend pression, hein, li bat match li a, et Dortmund est ton seul grain victoire pour le faire, parce que s'il perdu dans dernière journée, Bayern a champion. S'il fait match nul, nous bral nan différence but, et nous connaît Bayern ni marqué en pile goal, bien que dans deuxième partie saison, hein, Dortmund marqué goal tout, mais n'a fait calcul ça pour dans week-end cap vini, hein, si toutefois Dortmund ta fait match nul, mais depuis le bat, même si Bayern bat tout, Dortmund c'est lui-même qui a sacré champion. Après 10 ans que Bayern prend championnat ça en otage, c'est pour la première fois en 10 ans, on l'autre équipe capable champion en Allemagne. Bayer Leverkusen face à Mönchengladbach, c'est 2-2 que l'équipe ça fait ou fait match nul. Et classement c'est consolidé, Dortmund gagne 70 points. Bayern gagne 68 points à 2 points de retard sur Dortmund. Leipzig qui s'est battu Bayern gagne 63 points. Et l'Ipre là pour le qualifier pour Ligue des Champions Cap Vinian. Et nous gagnons Union Berlin qui gagne 59 points. C'est comme ça classement y est en Allemagne. En France, nous tenons 36e journée. Lens, l'Inter bat Lorient 3-1. Et PSG en déplacement, il fait une belle victoire face à Auxerre 2-1. Et encore une fois, Donnarumma pas capable de faire un clean sheet parce que pour saison ça, presque toute équipe qui joue avec Paris Saint-Germain au moins prend un grand goal pour montrer que défensivement, équipe ça, il vraiment pas bon. Grand pile changement, puis au t'a fait derrière. Et en information, nous connaissons que nous apprenons que Christophe Galtier est capable de reconduire. Ça, après Tétan, c'est information ça qui gagne. Doublé pour Mbappé, qui fait 2 goals. Et Léo Messi, il fait un passe décisif dans 2 goals. Français, a, tout simplement, lycée meilleur buteur Ligue 1 avec 28 goals. Et nous gagnons La Gazette qui gagne 26 goals. Jonathan David qui gagne 22 goals. Et nous gagnons Balogoum qui gagne 20 goals. C'est comme ça, classement buteur a yé dans Ligue 1. Après 36e journée, ça, classement c'est consolidé. PSG gagne 84 points. Lens gagne 78 points. Marseille gagne 73 points et nous gagnons AS Monaco qui gagne 65 points. C'est comme ça, ça y est. En Italie, nous connaissons tout bagaille fini.
surtout pour champion qui c'est Nap, mais place qualificative pour Ligue des Champions toujours très disputée. Deuxième, troisième, quatrième place là, il est vraiment disputé et je pense que championnat l'a continué, c'est ça qui centre d'intérêt championnat actuellement. Mauvaise opération pour l'Inter. L'Inter l'a perdu face à Napoli qui pas besoin de victoire 3-1 et nous aujourd'hui en Inzaghi il fait un pile changement dans l'équipe là nous pas pour qui ça est-ce que c'est finale Ligue des Champions il était préparé et au moins l'arrêter 2 semaines avant finale là. Inter il perd 3 points et ça fait le regresser dans classement. Inter actuellement côté n'a parlé ensemble avec vous là. Inter c'est 4e lié dans classement. Udinese perdu face à Lazio la Cagliari 1-0. Torino fait 1-1 avec Fiorentina. C'est comme ça, ça y est. Demain, AS Roma a joué. Et je pense que demain, tout, Juventus a joué. Dans la 46e journée, classement, c'est comme ça. Lié. Napoli gagne 86 points. Juventus gagne 69 points. Lazio gagne 68 points. Et Lazio presque prêt là pour le qualifier pour Ligue des Champions. Inter gagne 66 points. Et nous gagnons Milan qui gagne 64 points. C'est comme ça, classement, il y a dans le championnat d'Italie. Jodi an te gen Liga, même si Barcelone champion, rete 4 journées, fore journée ou jouer parce que Real Madrid envie fini dans deuxième place là. Matin ATM ni bat bien bonheur. ATM li bat matin, c'est Osasuna que le bat 3-0 et Ekatomna a continué pour Real Madrid, li perdu jodi an dans Mestalla 1-0 que Real Madrid li perdu. Mais match ça c'est une défaite réellement vrai mais je dis il y a en pile bagaille qui passait dans Mestalla, il y a en pile désordre qui fait dans Mestalla et nous capable résumer désordre ça avec racisme. C'est ça que lié grand pile monde qui pas veut comprendre ni comme ça mais base problème dans je dis dans Mestalla c'est le racisme contre un seul joueur qui relève Vinicius Junior. Vinicius Junior depuis saison ça a commencé à l'a subi des attaques diverses qui sorti dans chaque grande équipe que Real Madrid a rencontré dans Liga. Nous est sous scène européenne dans li pas comme ça et nous a changé belle image qui était gagné entre Kyle Walker avec Vinicius malgré Manchester United éliminé Vinicius dans Ligue des Champions. Nous voyons que l'image n'a pas changé mercredi dernier dans Etihad Stadium. Tout le monde te salue, tout le monde a respect pour tout le monde. Mais malheureusement, dans la Liga, à chaque fois Vinicius a affronté une équipe qui gagne dans la Liga, nous voyons que toujours gagner des propos racistes, toujours gagner des fautes que vous faites à l'encontre de Vinicius qui pas sifflé. Et depuis, son lot joueur qui subit faute, nous voyons que soit au Baïkaton ou bien à l'envers, Vinicius toujours mal jugé Vinicius dans la Liga. Je dis à qui ça passe dans Mestalla. Premier bagage qui arrive dans le match, je dis, c'est une attaque que Real Madrid a mené. Et supporters ont voyé un autre ballon souterrain, ou qu'on était pas supposé gagner deux ballons, et là, attaque la campée. Pendant l'attaque campée, supporters ont profité proféré des propos racistes à l'encontre du Brésilien et nous connaissons depuis qu'il est beaucoup raciste. Premier mot pour mon nom, c'est singe. Et Vinicius tellement fâché, tellement mauvais, Vinicius était prêt pour t'appliquer sa loi Ligadi. Loi Ligadi, depuis un jour subi des propos racistes, il est capable de quitter le terrain. Et si Ancelotti avec arbitre de champ pas intervenu, Vinicius a juste descendu le terrain, il pas fini de jouer encore. Vinicius est un des grands mondes, il continue de jouer. Bon, le deuxième bagaille qui arrive dans le match là. On shoot que Real fait, gardien en valençant retirer le ballon, c'est corner que lié. Et il a mené sur Real Madrid, Vinicius a pris le ballon rapide pour lui shooter corner ou bien mettre le ballon côté pour shooter corner pour mon avis shooter. Gardien valençant prend le ballon en main, mais Vinicius il voit le. Qu'on reconnaît que Vinicius était déjà fâché déjà dans le match là. Vin gagné échauffement qui gagne entre deux joueurs ça et pilote valencien qui était souterrain. Premier ça gardien en fait il prend Vinicius dans coup. Ça c'est image qui que nous toutes là qui t'a regardé match ça. Ouais. C'est joueur Real Madrid qui vient retirer Vinicius dans main gardien. Qu'on a vinn gagne goumé tout côté. Vinicius dans goumé li bay un joueur Valence calotte. Ça que nous déplorer. OK, arbitre là bay carton jaune. Et puis va relé arbitre là. C'est normal pour va relé arbitre là parce que quand on carton jaune pourtant son rouge ou carton rouge tout pourtant son jaune comprend.
Mais ça qui t'étonne nous, c'est que voilà, li accentuel seulement sous calotte Vinicius by l'autre joueur. Et les habitants à l'envoi, parce que c'est image ça que au Bali, normal, parce que Vinicius fait carton rouge là, pas de droit by jouer à calotte, il by Vinicius carton rouge. Et Vinicius tellement étonné, il bat bravo. Et nous et tout l'autre joueur ou dit gret obligé vinn kembe Vinicius pour bagay la pas tourner au cauchemar, parce que ça passe que fait Vinicius aussi énervé et coéquipier lui autour obligé faire fair play là, mais tout monde était énervé dans match ça. Pour qui ça gardien Valencien pas prendre carton rouge tout, parce que c'est lui même qui commençait hostilité avant. Vinicius pas gain droit bay jouer à calotte, mais il pas gain droit kembe jouer dans couteau. Et nous en Liga, toute faute que Vinicius capable faire sur un joueur, yo pointé le du doigt. Mais lui-même, il a fait toute 90 minutes la battre, il a joué, c'est pas rien depuis riposter gain problème. Mais il oublié que nous toujours réponse lettre là, mais nous pas jamais lettre là. Parce que c'est action qui mène réaction. Vinicius pas fou, il pas ta paraître sous joueur ballon calotte sans pas gagner en précédent. Mais voilà, avec les gars, choisi sanctionner Vinicius. Et c'est sûr que Vinicius n'a pas un seul green match. Parce que Vinicius, il bat bravo. Ça, son bagage qui a sanctionné quand même. Mais Vinicius, pour moi, il est en droit. Parce que c'est le seul joueur qui gagne dans les gars. Il n'a pas sanctionné. C'est lui-même qui est obligé de battre la justice. Et si la battre la justice, c'est coup pour coup que l'a fait. Et je dis, un match là, t'es vraiment tourné au cauchemar. Nous gagnons Ancelotti qui s'est coach équipe ça, qui était dans la conférence de presse. Ancelotti dit, c'est un jour qui triste, malheureusement pour nous. Et raciste là, lui existait. Ce n'est pas lui-même qui mieux indiqué dans les gars pour dire comment pour faire travail. Mais il faut que les gars font lever campé parce que ça n'est pas bon. Et Vinicius n'est pas protégé. Si le joueur n'est pas protégé, il ne peut pas empêcher le joueur à tout. Pas être de justice. Ça, c'est propos Ancelotti. Et Ancelotti dit match ça, son match, ou pas qu'à moins des pièces pour bien jouer. Parce que maintenant, l'ambiance peut être bien joué. Parce que depuis le début, deuxième période, là, mesdames, messieurs, match a commencé à changer. Non, mais joueur Real Madrid, côté que Vinicius a subi faute, côté que habite là avec voilà, fait mes yeux. Mais depuis, c'est lui-même qui fait un bagage tout le monde net, gantant, ouais, qui sa priorité fait. Et nous gagnons Belgien qui c'est Thibaut Courtois, qui dit en zone mixte, depuis Vinicius est descendu terrain, lui-même, il a suivi, parce que l'étape suivre coéquipier. Et nous gagnons en pile tout joueur Real Madrid, net, condamné, sacrivé, et m'en sécurité basse. Les gens qui ont fait, faut que les gens changent, pas de rester là. On moun ou couleur peau, on moun pas capable de faire moun nan sali ak sal paye. Et Vinicius pas rete là. Après carton rouge là, Vinicius prend compte Instagram ni pour te voyer des pics ou bien des messages avec toute haters lio. Quand elle dit, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Le racisme est normal en Liga. Bon, c'est ça, c'est pour une bonne image lié pour Liga cap dirigé par Tebas qui toujours prend pose que li pas a marché des moun ki racisio. Mais là, je dis, yo moutou a clair que yo pas fait rien pour ça. Et il continue pour le dire, la concurrence pense que c'est normal. Elle dit concurrence, moi c'est toute l'autre équipe qui a joué face à Real Madrid net. C'est eux même qui concurrence, concurrent direct Real Madrid, c'est deux mounsa qui l'a parlé. Elle t'a avancé pour dire que championnat ça autrefois, il était pour Ronaldinho, CR7, Messi, Zidane et Jodian. C'est raciste qui prend championnat ça. Il pensait que son honte lié pour football. Mais elle dit, ça n'a pas fait baisser les bras. La vini plus fort de jour en jour. Ça c'est propos Vinicius et gan pile joueur qui prend compte Instagram pour envoyer des bons énergies, de bon énergie à Vinicius pour ça passé Jodian que nous déplorer. En pile, même pensait que les gars, ils pas quitter ça là parce que Vinicius, le fait que le bat bravo, il est capable de prendre plus match et nous désolé pour ça passé Jodian. Dans Liga. Avant nous aller, nous avons des infos exactes que nous allons partager ensemble avec vous. Nous avons toujours été en Espagne pour nous parler de Robert Lewandowski, qui est actuel meilleur buteur championnat d'Espagne. Il dit que il est prêt pour le travail ensemble à Léo Messi, parce que depuis les rumeurs là, t'es établi en Espagne, il a posé la question ça déjà et ouvertement dans l'interview, il dit que il est prêt pour le travail à Léo Messi et il hâte pour le Léo Messi retourner dans la Liga. C'est ça que Robert Lewandowski dit dans une interview. Neymar,
c'est sûr que Neymar ne doit pas arrêter non PSG pour saison qui va venir bien que contrat l'a fini en 2027. Neymar son joueur qui est vraiment cher. Neymar a touché plus que 30 millions d'euros l'an dans PSG et me pensais que si ça fait en pile l'autre équipe ont déjà fait bac parce que pas capable de payer Neymar. Seul côté Neymar capable atterrisser dans Manchester United mais Neymar li gagné un club dans tête li qui clair c'est Manchester City et nous gagne Elano qui c'est ancien joueur équipe ça li t'a conseillé Neymar pour ta venir dans Manchester City et Neymar proposé tête li avec Manchester City nous pas connait si Guardiola a répondre à l'appel mais ça nous connaît qui sûr si c'est pas Manchester City au moins Manchester United Chelsea, Liverpool, yon nan ekip sa yo quand même a poursuivre Neymar si toutefois vrai di fò sa ta acte entre li même avec PSG c'est comme ça ça. Moi joyen, c'est rassemblement FIFA k'ap genyen et c'est match amical et ap genyen éliminatoire Coupe d'Europe en Europe. Genyen Brésil qui a joué un match amical face à Sénégal c'est 23 juin jusqu'à présent Brésil pour qu'on gagne entraîneur nous pour qu'on connaisse si l'a gagné entraîneur mais yo t'es mandé CBF là ça faut que Brésil gagne un entraîneur dans tête li pour le gagner connaître ça avec joueur avant Coupe América nous pour qu'on connaisse qui ça va le fait Argentine Brésil face à Australie le 15 juin ça c'est un remake nan yon match qui te gagné nan Coupe du monde là Argentine face à Australie et nous songe Argentine te bat 2-1 c'est ça qui te yé et Argentine bral jouer encore avec Australie mais fois ça c'est dans match amical que ça a joué avant nous aller n'a dit que hier dans basketball NBA Denver mettez foncé fouer cloua plus fort dans corps Lakers yo c'est 3-0 que match dans soldé 119-108 et Denver l'a mené 3-0 là et il était en seul grand match mais LeBron pas gagné ma vie à tout le monde pour LeBron 4 matchs qui était yo Lakers capable faire exploit c'est lui qui dit c'est pas nous et n'a prêté temps nous t'en rimi ouais ça il dit chaque grand match qu'on apparaît 4 matchs chaque grand match que nous va jouer c'est comme si c'est dernier match qui t'est gagné c'est ça que joueur Lakers là dit moi même moi ka ba vie pas tout si ou Eden veut pas battre demain c'est tout simplement il t'a envie célébrer titre ça la Kylie mercredi parce que c'est pour la première fois Denver va jouer en finale NBA et moi c'est que c'est un bel bagage là pied pour Jokic Jamal Murray qui c'est problème Lakers même que lié parce que tout bagaille presque fini pour Lakers mais comme qui n'a dit Napton n'a prêté temps et après-midi Miami la Kylie Brawl ici ouais s'il était capable faire 3-1 face à Boston c'est quatre belles équipes qui étaient mais malheureusement c'est deux qui ont qualifié pour finale là et nous même n'a pas pour porter tout résultat pour merci d'être qu'on t'a regardé mon t'a attendu moi remé nous en pile en pile en pile demain n'a ensemble pour nous porter reste résultat match qui vieux demain au pour avec en pile l'autre information nous même n'a dit bye bye restez zen la paix sur vous bye bye tout le monde à très bientôt.